Hello, ravie de te retrouver sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais te dire pourquoi j'ai longtemps hésité à faire des locks. Donc comme tu le sais déjà, si tu me suis, j'ai grandi dans une famille de locksés. Ma mère et ma soeur avaient des locks. Bon, ma mère n'a pas voulu que je fasse des locks en même temps qu'elle parce que j'étais jeune et elle voulait que je puisse avoir la mentalité. Ma mère, c'est vraiment d'abord avoir tes locks dans ta tête avant de les avoir dans tes cheveux. Mais voilà, aujourd'hui, je vais t'expliquer quand même pourquoi j'ai attendu d'avoir mes 30 ans pour pouvoir les faire. Alors premièrement, si tu me connais un peu, j'adore le volume. Moi, tout ce qui compte dans la vie, c'est le volume capillaire. J'adore ça. Je trouve que c'est ce qui fait que. Bon, c'est pas parce que je suis lion, hein, mais j'ai besoin de ma crinière. J'ai vraiment besoin d'avoir, pour moi, mon visage arboré de cheveux. J'ai lissé mes cheveux deux fois et je n'ai pas aimé à cause de cette perte de volume. Et en fait, du coup, avec les locks, en fait, j'avais vraiment peur de perdre mon volume. Et c'est ce qui a fait que je me suis tournée vers les micro-locks et non les locks traditionnels. Parce que j'avais l'impression qu'avec des locks traditionnels, j'aurais eu, comme c'est plus gros, que j'aurais eu le visage plus plat, enfin les cheveux plus plats. Maintenant, même avec les micro-locks, j'avoue qu'il y a certaines filles, elles me faisaient peur parce que le cheveu était plat, en fait. Et désolée, mais j'ai l'impression qu'on retourne sur les stigmates des Caucasiens. Le cheveu, il est plat. Même si c'est des locks, même si il n'y a pas plus naturel que des locks. Mais le fait d'avoir un cheveu plat, je ne sais pas. Moi, je veux du volume, je veux du volume. Et du coup, voilà, pour moi, les micro-locks, c'était le choix un peu plus approprié par rapport à ma mascara capillaire et tout, pour avoir toujours ce volume. D'ailleurs, je te mets une photo de quand on a fumé locks. Et maintenant, tu vois que j'ai du volume. Bon, c'est aussi parce que il est temps que je resserre. Je suis en train de les resserrer. Donc, voilà, ça me permet d'avoir un petit volume. Et si tu chantes un bébé, c'est ma nièce qui pleure. Désolée. Donc, voilà, ne me crucifiez pas, mais c'est comme ça que je vois les choses. Ma vie, c'est mes cheveux, c'est du volume. Il me faut du noir, du marron autour de mon visage. Je trouve que c'est comme ça qu'il est plus joli. Alors, deuxièmement, pourquoi j'ai longtemps hésité, c'est qu'en fait, franchement, vous savez, j'adorais mes cheveux. Faire mes soins, c'était pas du tout une contrainte. Passer toute une journée à faire un shampoing, mais c'est la vie. Franchement, c'était ma vie. J'adorais ça, choisir des produits pour mes cheveux, les tester, voir comment mes cheveux réagissent. Surtout une fois que tu as trouvé tes bons produits, franchement, le déménage, c'était pas un problème. Après, pour que le déménage soit pas un problème, c'est vrai que c'était un objectif de longueur. Moi, j'avais pas d'objectif, je voulais juste avoir de beaux cheveux. Et comme pour moi, la beauté ne passe pas par la longueur. Voilà, je me permettais des choses, surtout vers la fin, comme je savais que j'allais vraiment loxer dans pas longtemps. Là, j'ai bien profité de mes cheveux, je les démêlais tout. Franchement, c'est waouh, j'adorais jouer dans mes cheveux en fait. Donc, c'est vrai que se dire que je n'aurais plus à le faire, ça m'a un peu fait réfléchir. Voilà, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et donc, contrairement à beaucoup de personnes, c'est pas parce que je n'aime pas faire ça. Je sais que beaucoup de filles disent qu'elles n'aiment pas démêler, que ou maintenant elles n'ont plus à le faire. Non, non, moi c'est vraiment une partie que j'aimais. Prendre soin de mes cheveux, sentir tout ce qui se passait dans mes cheveux. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai pris du temps à le faire. Enfin, à faire mes looks. C'est de savoir que je n'aurais plus à faire cette partie-là. Ensuite, peur de la casse. Et oui! Évidemment, d'ailleurs, vous me l'avez tous gentiment dit dans les commentaires. Bien sûr, j'aurai de la casse. Elles sont extrêmement petites. J'en ai plus de 650. C'était pas prévu. Mais oui, j'en ai plus de 650. Il y aura de la casse. Mais devinez quoi, les gars? Quand j'avais mon afro aussi, il y avait de la casse. Ça gênait personne. Hein? J'avais tout le temps mon afro. Je jouais tout le temps dans mes cheveux. Ça vous gênait pas? Donc, peu importe comment tes cheveux sont, il y aura de la casse. Je sais. Mais bon. Voilà, donc c'est vrai que déjà j'avais peur de la casse et en plus vous m'avez pas aidé parce que tout le monde m'en a parlé. Wouhou! Mais oui, en effet, j'avais peur de la casse en faisant des locks aussi petites. J'en ai conscience, je sais que j'en perdrai. Je sais que je vais en doubler, voire tripler, comme vous me l'avez aussi gentiment dit. Mais voilà, ça fait partie du game, les gars. Vous avez vu toutes les décolorations que j'ai faites? Disons que la casse, c'est pas trop. Mais bon, j'en avais peur quand même. Alors, effectivement, j'avais peur de la monotonie. Alors, je n'ai que 6 mois. Je ne suis pas encore la personne qualifiée pour parler de ça. Mais en tout cas, garder mes cheveux lâchés comme ça, ce n'est absolument pas un problème. Au contraire, ça rentre dans ma philosophie de liberté. Liberté capillaire. Du coup, ce n'est pas un problème. Mais encore une fois, je n'ai que 6 mois. Donc, on va se la fermer, hein, Léno. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que j'avais peur en fait de me lasser parce que quand j'avais mon afro, je faisais beaucoup de coiffures, mais pas tant que ça parce qu'on va pas se mentir, en réalité, on a nos coiffures
de base, et c'est celle-là qu'on fait et refait et refait et refait. Donc, certes, quand j'étais à l'université, c'est surtout là que j'ai vraiment poussé sur les coiffures. Et après, j'en ai fait, mais ça me lassait en fait. Donc, voilà, j'avais peur de la monotonie, mais en vrai, comme pour les vêtements, on remet toujours les mêmes. Une autre chose aussi qui me faisait peur, c'est le changement de communauté. J'ai été longtemps naturelle, j'ai longtemps porté le drapeau de la fille naturelle qui s'assume malgré les dictats de la société parce que, comme je vous l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, on s'est énormément moqué de moi, j'ai pas eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de réflexions au travail quand je travaillais, pas aux États-Unis, quand je travaillais en Hexagone, j'ai eu beaucoup de réflexions dans le métro, enfin bref, la base. T'es noire, t'es naturelle, tu vis en Hexagone, tu sais de quoi je parle. Mais voilà, mais j'ai tellement porté avec fierté et j'aimais ça prouver aux gens, leur faire fermer leur bouche et tout, que je me dis, j'abandonne ça en fait. Je me suis dit, j'abandonne le combat alors que pas du tout. Et c'est triste parce que être naturel, avoir nos cheveux comme ils ont poussé, assumer ses cheveux, déjà on ne devrait même pas avoir les assumer, ce sont nos cheveux. Mais ça devient un combat, c'est un combat perpétuel, il fallait prouver, 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 ça me saoulait. Et je me dis, on n'a pas à le faire en fait. C'est les cheveux qui poussent littéralement de notre crâne. Donc, j'aimais porter ce combat-là, mais au bout d'un moment, au bout de 30 ans, c'est bon. J'avais plus envie de le porter et je voulais avoir mes cheveux comme je voulais et c'est avec des locks. Donc, voilà. C'est ce qui a fait que j'ai longtemps hésité. C'est j'aimais pouvoir prouver que. J'aimais inspirer. Voilà. J'aimais défendre la cause, mais au bout d'un moment. J'avais quand même envie de passer à autre chose. Donc, c'est vrai, c'était un vrai changement de communauté. Déjà, des personnes que je suis, des personnes qui me suivent, des intérêts que j'ai. J'ai toujours aimé les locks, j'ai toujours suivi des choses pour les locks, mais bien sûr, maintenant, c'est un peu plus poussé. Et c'est vrai que même dans mes fils d'actualité, c'est vraiment plus locksé qu'afro. Maintenant, c'est vrai que j'ai eu un gros problème avec le retour au naturel pour toutes les autres filles parce que. En fait, des choses que tu as toujours dit, on te faisait, oh, allez, vas-y. Et puis, tu vois qu'après, on encense des filles qui répètent tout ce que tu dis depuis très longtemps. Donc, ça, c'était très drôle. Surtout de voir les néo-naturels qui te donnent des leçons. Et je suis là, mais. Been there, done that. Mais bon, c'est pas grave. Et surtout de voir, en fait, que naturel, naturel, mais toujours osé de la société. Donc, c'est naturel, mais pas trop. Tu peux être naturel, mais tant que tu as des boucles, tant que tu as ci, tant que tu as ça. Et en fait, je me rends compte que même s'il y avait un retour naturel, mes cheveux n'étaient toujours pas le prix. On les aimait parce qu'ils étaient longs. C'est ça ma chance. C'est que mes cheveux étaient longs et ça n'aurait jamais dû l'être. Des beaux cheveux, c'est pas des cheveux longs. Vous avez des gens qui ont de très longs cheveux. C'est moche parce que c'est abîmé. Un beau cheveu, un cheveu en bonne santé. Mais bon, allez dire ça à la société, ils n'ont pas encore capté. Donc voilà, je trouvais que c'était hypocrite tout ça. Ça me saoulait en fait. Bon, je ne vais pas vous mentir. En découvrant la communauté Microlox et tout, il y a aussi des petits matchs entre Sisterlox et Microlox. Il faut un certain nombre pour être qualifié de. Bon, bref. Mais bon, je m'en fous. Vraiment, là, j'estime que je n'appartiens à aucune communauté. Voilà. J'ai fait ce que j'avais à faire parce que j'avais envie de le faire. Et effectivement, mes intérêts ont changé, ce que je recherche a changé, mais je n'ai pas encore l'impression d'appartenir à une communauté, mais changer de communauté, ça a été très difficile quand même pour moi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si je pense à autre chose, je te ferai une autre vidéo. Mais voici les raisons pour lesquelles j'ai longtemps hésité à loxer mes cheveux. Donc, est-ce que tu y penses? Est-ce que tu te retrouves dans ce que j'ai dit? Est-ce que tu as eu les mêmes raisons? Ou est-ce que toi, pas du tout? En tout cas, partage-nous tout ça en commentaire. J'ai hâte de te lire. Et je te dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye!